Are you ready? Ah bah mon copain, déjà que si même tu t'abonnes pas, tu peux au moins laisser un pouce bleu et puis me taper tes commentaires. Hein. Ça fait plaisir, hein. Alors voilà. Abonne-toi quand même, hein, dis. Monseigneur, aujourd'hui, petit tuto sur le décrassage d'un ordinateur. Je te montre, hein. Bon là, gros, on est typiquement sur de la maltraitance informatique, hein. Regarde un peu le carnage ici. Alors on va regarder là-dedans aussi. Parce que de la poussière, il y en a. Je me dis, ben, il tourne beaucoup, mon ordi. Comment ça se fait? Il fait beaucoup de bruit, il souffle, j'ai compris. Allez, on va commencer déjà par démonter tout. Bon. Évidemment, tu le débranches et puis tu le mets sur la table. Puis il faut desserrer là. Ah, ça y est. Oh là là, la cata. Bon, tu l'as remarqué, j'ai un an de retard sur le nettoyage. Ça, carte graphique, il est temps de le faire. Là, ventilateur processeur, c'est scandaleux. Il n'est pas temps de le faire, c'est une obligation. Il faut absolument. Attends, t'as pas encore vu le filtre à l'avant. Clic, clic, clic. Moi, Seigneur Jésus, c'est même plus temps qu'il faut. C'est carrément que je vais avoir un procès, moi. Ok, on va s'occuper de ça. Bon, une fois que tu as chargé ton compresseur, il y a des gens qui vont m'insulter, hein. Moi j'ai toujours fait au compresseur, pleine charge, ceci. Non, ça c'est juste à tri, donc on s'en fout un peu, mais regarde. Tu vois un peu? On voit à travers là maintenant. Bon, c'est là qu'il faut pas faire de la merde. Toi, ça c'est le ventilateur du prosso. Tu crames le ventilateur, ah, t'as des chances de cramer le prosso. Donc tu tiens bien les hélices, hein. Faut pas qu'elles tournent. Et tu mets pas la soufflette contre comme ça, tu mets un peu de distance toi, gentiment. Ça vole de partout. Ah, regarde, beaucoup mieux. Voilà, comme ça, il est propre. Waouh. Et la carte graphique, pareil. Tu tiens le ventilateur. Une fois que tu as terminé le ce que j'appelle le sensible, eh ben, tu fais le reste. Ça, bah, ça jamais qu'une grille con. Satisfaction, ta-da-da. Alors ça, l'intérieur. Bah tu vois comme un oupi, j'ai oublié de tenir le ventilateur ici. Regarde, pourtant on est dehors, il y a un petit vent, toi. Regarde un peu les moumouches que je sors d'ici. C'est de la maltraitance. Je vais me faire incendier encore. Bon, important. Regarde, processeur, j'ai nettoyé la pâte thermique, sur le dissipateur aussi. Si tu en as, bah c'est bien d'en remettre. Hein. On va faire ça. Alors attention, si tu n'as pas de pâte thermique, tu ne nettoies pas ton processeur ni ton dissipateur. Tu laisses la pâte thermique qu'il y a dessus et tu remontes comme ça. L'idéal, c'est de la changer, mais il faut en avoir. Donc si tu n'en as pas, surtout, ne nettoie pas. Voilà. Allez, on continue sur la petite vidéo ici. Il faut étaler un petit peu. Voilà. Ça c'est trop ça. Voilà. Là c'est. C'est flûte. C'est flûte. Trop de lumière ou quoi? Voilà. Ouais. Bon, en somme, j'ai étalé la pâte, j'ai essuyé ce qu'il y avait en trop. Et le jeu, c'est de remettre le dissipateur au-dessus. Ah. Voilà. Bon, je l'installe et puis tu verras après. Bon, ça c'est fait. Et puis on n'oublie pas de le rebrancher, hein, bien sûr. On fait pareil, on remet la carte graphique. On n'oublie pas de la rebrancher, de la revisser. On voit les deux vis là dans le fond. Ok. Face à l'avant, on remet bien là, on la reclip, voilà, tout est bien en place, ouais, on pourra la remettre ici, voilà, et puis couvercle là, on va le mettre à l'endroit, je sais plus dans quel sens, vas-y, elle passera un petit coup de chiffon parce que elle est sale. Allez,
Et alors, bonne nouvelle, si t'as pas trop fait de la merde, déjà ta carte mère elle s'allume, ok? T'en pousses, c'est en principe. Tout devrait bien se passer. Ah, ok. Oh, pas le bon écran, bizarre. Ça devait être celui-là. Celui-là il s'allume pas. À mon avis, j'ai inversé. Bon, on recommence, ça marche. Là, ça me... Ah bah voilà, j'avais inversé les deux prises. Préféré, c'est des HDMI, donc tu la mets à gauche ou tu la mets à droite, c'est pareil. Celui-là, il vient de s'allumer. Et normalement, bingo! Et voilà mon petit pas, toujours avoir un ordinateur bien propre à l'intérieur aussi. Ça va l'aider à refroidir, ça va empêcher que le ventilateur s'affole, faire du bruit, éventuellement de cramer un composant. Sur ce, gros bisous, à bientôt!